Mireille, soyez rassurée, je pense qu'on vous a raconté n'importe quoi. Il n'y a dans l'exposition Murakami aucune œuvre pornographique. Et il est évident qu'à partir du moment où on présente des œuvres contemporaines dans le circuit des grands appartements, qui reçoit des publics de tout âge, de toute origine culturelle, porteurs de valeurs morales extrêmement diverses, il nous appartient à nous, responsables de l'établissement, de veiller à ce qu'aucune œuvre qui pourrait choquer une conviction ou choquer un regard soit présenté au public. C'est la règle du jeu que j'impose aux artistes que j'invite. Faisons en sorte que les œuvres soient en quelque sorte, comme on dirait au cinéma, tout public. Donc il n'y a pas d'œuvres pornographiques. Ce sont ceux qui veulent déconsidérer cette exposition qui agite la menace de la présentation d'œuvres pornographiques. Mireille, d'autre part, je tiens quand même à vous rappeler, faisons un peu d'histoire, que le château de Versailles n'a quand même pas été tout au long de son histoire une maison de vertu. Vous savez à quel point les mœurs de ceux qui ont vécu sous l'Ancien Régime ont souvent été des mœurs légères. Alors il ne s'agit pas naturellement de faire l'apologie de ces mœurs, mais on a vécu librement à Versailles, on n'y a jamais répudié la représentation de la nudité, par exemple. Regardez les décors, les jardins, la statuaire, regardez les peintures. Vous y verrez des dieux, des déesses, des demi-dieux, des héros, des muses, très largement dénudés et offrant leur anatomie à voir aux passants et aux visiteurs. Certaines des grandes statues du parc, par exemple, évoquent des sujets que la morale pourrait ou doit réprouver. Après tout, Jupiter et Ganymède, c'est une histoire de pédérastie. Et l'Éda et le Cygne, c'est une affaire qui n'est pas totalement convenable, qu'on pourrait éventuellement d'ailleurs qualifier de zoophilique. Mais enfin, je ne veux pas nous entraîner vers des considérations trop extrêmes. La pudibonderie n'a jamais eu cours à Versailles, tout simplement parce que ceux qui ont régné étaient des hommes et des femmes libres, qu'ils savaient ce qu'était l'humanité, qu'ils étaient conscients de leur grandeur, mais aussi de leur désir. Versailles n'a pas été, dans son histoire, je le répète, une maison de vertu, mais ce n'est pas une raison, naturellement, cet argument n'est pas une raison pour y présenter aujourd'hui des œuvres qu'on pourrait objectivement qualifier de pornographique. Ceux qui prétendent que nos expositions présentent des œuvres pornographiques racontent n'importe quoi, mentent et tentent d'intoxiquer l'opinion.